Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode du coffre-fort. Aujourd'hui, on a deux candidats de choc, un couple magnifique. Bonjour à tous. Qui s'est renommé. Ouais, ouais, avec un pseudo très bizarre que j'ai même pas envie de prononcer. Alias. Bon, allez, tout de suite le générique. Casse-toi de ce levier. Ah pardon, eh c'est bon moi. What the hell? On sent l'ambiance, là on sent l'ambiance. Alors en plus la bonne nouvelle c'est que vous profitez de ce petit espace pour pouvoir observer l'entièreté du coffre-fort. Ah on va crever. Non, j'avais prévu le coup, il y a résistance. Oh là là, qu'est-ce qu'il est intelligent cet Andy. Voilà, j'espère que vous avez bien regardé et bien observé les salles spéciales. totalement. Voilà. Donc, comme la dernière fois qu'on a fait un coffre-fort, il y avait 5 fois moins d'abonnés. Bah bien sûr. Il est temps de faire le point quand même, pour expliquer au public. Oui, même nous on sait pas la règle. Parce que vous êtes nuls et vous ne regardez pas les vidéos, c'est pas bien. Si, on regarde. Surtout les forts voyards, bon, bref, vas-y. Alors, vous êtes devant le coffre-fort. Ouais. Il est composé de 10 étages de cette salle. Les 9 étages, ils sont classiques. C'est-à-dire qu'à chaque salle, il y a une somme d'argent derrière de l'objet. Parmi tout le truc, il y a 6 salles spéciales. Par ordre d'importance. Il y a la jaune. La salle des ascenseurs, qui débloquera les ascenseurs, ça ira plus vite pour monter que par des échelles. Bah oui, ça c'est clair. Bah oui. En bleu, il y a la time zone, qui vous permettra de débloquer 5 minutes. Dans le chronomètre. Ça peut vous servir 5 minutes. En rouge là-haut, à gauche, et en rouge là-haut à droite, il y a 2 salles à 50 000 et à 100 000. Oh putain. Ces salles, il faudra les débloquer en arrivant au bout d'une quête. Ouais. C'est-à-dire que dans votre première salle, il y aura un livre. J'adore bugger, c'est magnifique. Qui vous dira d'aller quelque part. Ce livre-là, une fois que vous serez arrivé au quelque part, il vous enverra vers quelque part d'autre, etc. Jusqu'à ce que vous arriviez aux salles qui sont là-haut. Quelque part d'autre et quelque part d'autre, et enfin ça fera quelque part d'autre. Voilà. Toujours au dernier étage. Il y a une énorme salle dans laquelle il y a 30 000 aussi. C'est une salle comme les autres. Les sous. Et enfin. La Ferra. Donc là, pour l'instant, il y a un total de 250 000. Et vous pouvez doubler le tout en allant chercher l'étoile. Ah, l'étoile. L'étoile x2. L'étoile mystérieuse. Elle est au-dessus du coffre. L'étoile noire. Elle est tout en haut, sur le toit. Ouais, bon bah, c'est que tira. Tira et tu feras un saut. Et pour débloquer l'accès, il faudra trouver les 6 clés du double. Ces 6 clés du double, elles sont dans toutes les salles où. Il y a une tête comme celle-ci, que je vous raconte. Si vous voyez une tête comme ça dans la salle, c'est qu'il y a une clé du double. Okay. Ah, cette tête, elle me rappelle quelque chose, c'était pas ce qu'il y avait dans Fort Boyard avant. Je vois pas ce que tu veux dire. Il a mis la tête. Et au cas où vous avez la flemme de chercher, il y a la salle verte qui est ici, qui vous dira où sont les 6 clés du double. Comme ça ira plus vite, vous allez les chercher. Oui, c'est quelle très bonne idée, très bonne idée. C'est tout un bordel, mais vous n'avez que 30 minutes. Ouais. Ah ouais, quand même. Ça, c'est le typique jeu où je me disais, oh là, qu'est-ce qu'ils ont pas de chance de le faire. Stratégiquement, vous mieux gérer quoi, les choses. Ouais. Je vous invite à déjà prendre l'argent qui est sur cette tour, il y a déjà 1000 euros qui sont cadeaux comme ça. Oh, c'est gentil. Et bon, comme on dit, rien n'est gratuit. On finit toujours par payer un moment ou un autre. À moi la Ferrari, ça, merci. Hop. Et à partir du moment où vous marcherez sur la plaque, le jeu sera parti. Tiens, je m'en vais avec. Oh, j'ai un cadre, mince, je vais le remettre. Ce serait dommage de péter le décor quand même. Allez, c'est parti. Non, ça c'est le coffre que vous devrez poser à la fin. Mais Ah oui, oh putain, les lags, et les FPS dans cette tour, c'est horrible. Oh non, mais je... bon, allez, c'est parti. C'est bugué. Ah, ouf, quelle chance qu'on a. C'est parti pour reprendre. C'est quoi ça? C'est le numéro 3. Ah oui, c'est 0. On applaudit, merci. Il y a la pioche des losers, c'est quoi cette pioche? Ah, il y a pas Yak qui est incrusté. Oui, il y a la pioche des losers. J'ai déjà le départ, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Attends, j'ai pas commandé plus, moi, attends. Ok, non mais t'inquiète pas, moi je vais prendre tout ça.
On peut tout casser là. Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est généreux de tout casser. Non, mais les ouais, il y a des coffres. La musique elle sert à rien. Les carottes d'or, on adore. Ah, elle s'appelle ça. Moi je vais bien fouiller, je suis une fouilleuse de toute façon. Prenez tout ce qui vous sert. Ah, un peu casser. Ça sert à rien de casser derrière les ça, c'est, ça sert à rien parce qu'il y a rien dedans. Oh, j'ai 100 000 euros, c'est ça? Le premier livre de quête de 100 000 euros. Il paraît qu'on aime le putaclic ici. Enfin, voir dans la salle 89. Il paraît que ça tourne mal. Oh, l'humour. Là, on sent l'humour. Là, on sent l'humour présent. Comme l'épisode précédent, c'est Baya qui a fait les cartes, on peut le remercier. Putaclic. Le roi de l'humour. On peut casser l'obsidienne, imagine. Je te conseille de garder les livres. C'est un petit peu le but. C'est un petit peu fait exprès. Loulou, je te conseille de garder ton livre. Ouais, je vais le garder, t'inquiète, j'y jette jamais. 0,48. Putain, et c'est la salle. 0,89. Bon, alors, je le sens pas. Vraiment, en fait, c'est un peu l'aventure ici parce que je. On est en train de découvrir tout le temps. Oh non, il y a plein de coffres. Oh putain. On peut les péter les coffres ? Bon, remplacement exceptionnel, comme elle n'est, capable de jouer, je ne sais pas ce qu'il a joué à faire. Mon ordinateur a fait what the fuck. Ouais, bah dépêche-toi, sinon je te remplace, hein, s'il faut. Eh ! Non, je suis là. Je suis en game mode 3. Merci. Je sais pas ce qui m'arrive. Malin. On peut les casser, les coffres. Moi, je vais à côté. Oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Oh, salut, oh, putain, et vraiment, les lags, je sais pas ce que vous avez mis dans cette tour, mais... Ice Bucket Challenge. Non, mais... Je pense que cet épisode va être ennuyant, on va me voir casser toujours l'obsidienne. Elle va me faire une connerie. C'est normal s'il y a des boutons. Oui, ça vous donne les numéros de salle. Mais en fait, il y a rien dans ces coffres. Si, il y a de l'argent dans un coffre. Par salle. Je vais vite chercher l'argent. Ah bah c'est un coffre que je n'arrive pas à ouvrir alors. On va vous aider sinon ça va être long. Vous pouvez casser juste un bloc à chaque fois et vous accédez aux 9 coffres. Ouais. Casse celui du milieu. Genre là ce que Lou est en train de faire, il peut, grâce à ça il peut juste accéder aux 9. Tu vois. Ouais. Par contre passe tes queues, tu casses que celui du milieu. En regardant un petit peu de côté. Et forcément ça va être le dernier truc de coffre que je vais ouvrir qui va marcher. J'ai gagné des sous. Tellement l'émission est bien faite. Ça sert à rien de regarder dans les autres coffres. Très bien fait. Ah d'accord, merci beaucoup. Non, dans les autres. Voilà. Dans la 7, t'auras plus rien. T'as déjà ils ont prévu par mentalisme quel coffre j'allais ouvrir en dernier. J'ai gagné des sous, je m'en vais. Bah, va dans les 100 autres. Euros. Y a que 100 euros. Bah écoutez, c'est le premier étage, il faut monter au bout d'un moment. Enfin, voilà. Faut monter. Ouh la vache. Bah, je sors d'ici, hein. Non mais c'est hyper chaud. Hein. Ça fait pas partie de vos plus durs des jeux. C'est juste appuyer. Là il faut appuyer. Attends, il faut de l'argent. Hein. 0,74 et nous c'est 0,89. Je vais regarder plusieurs fois hein, le livre. Vas-y, casse ici, moi je continue. De la région. Et j'ai pas fait au milieu mais quel. On s'en fout, vas-y. Y'a rien. Y'a toujours un truc. Donc regarde bien. Tu m'as trouvé, alors... 0,89. J'en ai trouvé 4 de ça, c'est bon, je suis riche. Ok. 100 euros sur les 250 000. Ah, 150. Bah, je vais chercher 250. Ouais, mais si on arrive à avoir 100 000 euros, ça sera pas mal. C'est toujours pas mal, hein. Ah, j'ai un livre. Tiens, Loulou, tiens. Oui, bah attends, déjà que je lag Mathilde là. Alors. Alors là, bah. Bah, parce que moi je suis déjà. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous savez mon niveau en maths, hein. C'est en mode what the fuck. Après, y'a plus rien, donc ça veut dire qu'il faut monter, c'est ça? Exactement. Alors pour monter, ouais. Vous posez les échelles sur la paroi invisible. Et bien en face des blocs de psy. Et comme ça, vous montez par le trou qui est déjà. T'as pas oublié des blocs de psy là ou je rêve là?
Attends, il y a encore du fric là-bas. Attends, j'y vais, je m'en occupe. Oui, mais par contre, en fait, là j'ai trouvé le lingot. Bon, bref, mais ça veut dire qu'il y a 100 000 euros dans le truc 89. Non. Dans le truc 89, t'auras un autre livre qui va t'amener dans une autre salle. Et le livre, elle l'a trouvé, elle te l'a donné d'ailleurs. Oh, non. Oh là ça, là. C'est pour ça que ça va, vous allez progresser. Et pourquoi il y a un autre truc, un livre 50 000 euros de Bayedrien? Parce que c'est l'autre quête à 50 000 euros. Mais oh t'as vu, mais j'arrive pas. Mon dieu, Kenny rate son 137e ramadan dans la salle de bain, dans le coffre-fort. Allez voir. Faut aller voir dans le coffre. Non, mais... Il y a un chiffre dans la. 137, ah oui, ok. J'ai des sous. Je m'en vais. Mais... C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Hein. Ah bah c'est que le début. Voilà. Les mecs qui ont inventé ça quand même. Allons-y. Ah bah je vais monter. Je vous conseille de faire qu'une seule montée aussi parce que sinon. Ouais. Proche de l'entrée. Ouais, moi je monte. Ah putain, j'ai pas mis de. Aïe. Ouais, c'est très bien ce que je fais. C'est moi la femme. Allez. Ah, y'a de l'obsidienne à chaque fois. Oh, ouais. Oh là là. Oh. Ça, c'est je vais pleurer. Ah, en plus. Les salles où c'est 0, c'est que c'est l'étage 0. Les salles où y'a 1, ah bon l'étage 1, etc. Bon, allez. 173. Oula, pourquoi y'a. La plupart des gens l'ont réussi à avoir de l'argent. Encore, mais... Ah et je pense qu'on va avoir le... On va le faire conseil de casser le spawner qui se trouve derrière. Ouais, tu peux casser le spawner aussi. Ouais, parce qu'en fait, je crois que je vais me faire défoncer. Compte pas sur moi pour venir t'aider. Hein. Oh moi, je suis en train de casser des blocs. Je suis en train de crever. Ah, j'ai de la bouffe. Oh putain. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on lag. Pas comme ça, toi. T'as juste à ouvrir des coffres. Ouais, mais je sais pas, dans la tour, il y a dû y avoir des. Je sais pas, plein de restos, un truc comme ça, parce que là. Ouais, je sais pas. On a le droit de monter en haut encore. Oui, bah, c'est un peu obligatoire en fait. Il y a 10 étages. Hein. Voilà, il y a 10 étages. Ah merde, je vais mettre une chaise. Tu précises aussi, les salles sont dans l'ordre 300. Ah bon? Comme si on savait. Oh y'a, ici est. Je savais pas, genre Alex, t'es un petit. Pauvre Alex. Mais... Tu en gueules dessus. 299. 290. Non, on s'en fout de 299. Et... 137ème, 137, et là c'était 399, c'est à dire que c'était en bas. C'est bien, comment ça se fait? C'est bon, hein. Là tu tombes aux étages 0. Ah oui, oh là là. Bon, je pense pas que le record va être gagné. Hein. Non, et là, passe tes queues, tu peux voir qu'il y a une tête. Y'a une tête! Mais en fait, elle a été à l'étage, mais elle m'a rien dit. Il faut la prendre la tête ou on la laisse? Non. Elle a même pas continué à casser. Je cherche. Je cherche dans les coffres. Et à un moment, tu pourras accéder à quelque chose. Ok. Donc cette salle-là, ouais, je te conseille de regarder. À mon avis, ça va être ennuyant à regarder, hein, parce que voir casser. Alors 137, 140. On s'en prend plein la gueule. Vous êtes un volume moteur, c'est ça. Je regarde au mauvais coffre à chaque fois. Bah toi, Pastek, vas-y, découvre un peu tout et moi je m'occupe de la quête. Tu vois là, le bout qu'au fil de... Plus tu avances, plus c'est décroissant parce que dans l'ordre de moi, de la caméra... 137, c'est bon. Ah recule. C'est un cul. Ben voilà. Casse le bloc du bas pour accéder. T'as même de la chance parce que t'as récupéré l'argent. Ouais, j'avais pas récupéré l'argent, je suis en mode. Hop, et va chercher. Tu peux avancer. Va chercher la clé. Voilà. C'est le foutage de gueule, j'imagine que le livre est pas dans le même coffre que. Il y avait un bloc invisible, il était cassé. Oh lolo, l'équipe de bras cassés. Il y aura des dommagements.
Ouais, il est comme ça partout en fait. J'arrive, je suis à côté. Ok, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tout cassé. M'en occupe. Très bien. M'en occupe. Attends, 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 je te TP, c'est bon. Non, non, craft. Je m'en plus. Est-ce que les livres qu'on a déjà mis, on peut les mettre dans des coffres? Non, on s'en fout. Je te conseille de les garder. Ah ouais, clé, je te conseille de les garder. Ok, bon, bah, si tu le dis. On va en garder à côté, on sait jamais. Alors, Ibra TV tente de rentrer dans le carrefour pour y passer la nuit. Là, je pose bleu. Jam, nous dit que le code d'entrée est... Si, elle... Y'a rien, là. C'est en chiffre romain ou... Bah, t'as au pire, je pense. Okay. Sûrement. J'imagine. Tellement vous êtes fourbe. Bon. Alors, c'est les C, j'ai jamais vu ça, je crois que c'est des 100. 100, je crois. 300. Hop. Elle, c'est pas 50. Ah, allez, je m'en vais, 352 000. Attends, non, 300. Oh putain la vache. 357. Donc il faut que tu montes, hein, 357. Mais Rodrigue. Forcément. Mais non, je suis coincé. Là, ici, on est en 200, donc c'est encore en haut. Oh là là, oh là là. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui fait de la logique, hein. 365. Ouais, tu vas te sentir visé parce que... Oh là là. Ah, mais ça se trouve, il y en a à côté. Elle s'en fout réellement. 357. Ouais, je cherche l'argent. 357. Oui. Oh, ah, ah non, mais en plus, le temps, il défile hyper vite. C'est pour ça. Ah oui. En gros, si on a la quête, déjà, on a pas mal de sous. Voilà, je pense que voilà. Si je peux vous donner un gros conseil que les autres équipes n'ont pas fait, c'est de monter rapidement quand même en haut. Il y a toujours plus d'argent. Moi, j'y vais, moi. Bah, c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Monte carrément le dernier étage. Monte carrément le dernier. Ouais, vous tomberez peut-être sur des livres d'avance. Livre 4. Il te suffit d'ajouter 154 vues à ta précédente... Ah, c'est pour ça qu'il fallait garder les livres. Il te suffit d'ajouter 154 vues à ta précédente vue pour rentrer dans le top tendance. Ah, c'est voilà, marrant. Quoi. Donc c'est le dernier, c'était 357 plus 154. C'est tout à fait normal. 7, 8, 9, 10, 11. 60. Loulou, t'as combien d'échelles? Attends, tais-toi. Merci. 154. Il se barre, Angie. Ok, bon, maintenant je fais le calcul. Donc ça nous fait du 500, 600, ah non. 661, normalement. 7, 8, 9, 10, 11. Oh putain, et la calculatrice. J'ai peur de faire une erreur. Pourtant, d'habitude, je sais pas. Mais là, comme il y a le temps qui presse. Oh là là là. Ah, mais j'ai mis. Putain, en plus, c'est même pas en mode. On est mal, on est très mal. On est mal, patron. 511. C'est un peu ce que j'avais dit. 511, bah faut monter. Toujours monter. C'est pour ça qu'il nous dit toujours monter. C'est qu'il faut toujours monter. Y'a rien là, mais je suis en train de faire. Oui. Les 4 vont faire monter au fur et à mesure. 511. Et au pire, Et Pastèque, continue à monter et tu me dis si t'as des. J'ai plus d'échelle, t'es marrant toi. Oh là là. Mais et en plus. Ah, j'ai un livre. T'as les échelles, je suppose. Oui, moi j'en ai 45. Voilà. Ça faudra lui passer, du coup, si elle veut. Vous intérêt d'être plus équipe, en fait. Ouais, hein. Oui, bah, viens chercher les échelles. C'est pas du tout macho, hein. Non, pas du tout. Je suis loin d'être comme ça. Attends, ici, c'est... Attends deux secondes. Ah, c'est là-bas, ok. Tiens, je te donne... Tiens, vas-y. Prends les échelles. Aspirateur. Prends les échelles. Voilà. Voilà. Les échelles. Ouais, la constitution. Il lag. Nouvelle ordi, j'abuse. Hein. Moi, j'aime pas trop ça. Là, je le sens bien, la tête, là.
Moi, je sens rien du tout bien. Ça sent la tête. Je sens que ça va être ouais, la catastrophe. 541, 44, il nous faut du 511. Bien sûr. Si tu vois des livres, hein, pastèque, tu me le dis. Ah oui, il faut récupérer des livres, mais qu'est-ce que je suis con. Non. Je suis une blague. Bah ouais, j'en suis un peu obligé parce que. Mais... je vois une salle spéciale. Attention. Tu es devant la salle des ascenseurs. Oh, s'il te plaît. Attends, cliquez ici. Attends, avant de cliquer ici, vous... je sais pas. Ouais. Si tu résous cette question, tu pourras ouvrir la salle. Attention, okay. C'est une question logique, attention. Je sais, c'est une suite logique, j'avais compris. 522, donc logiquement. Ça peut pas être au-dessus, du coup. Attends, je regarde juste l'ancien. Livre. 544, 522. Je les ramènerai après. Et bah logiquement, ça serait 511. Bah logiquement, ça serait 511. Bah 517, moi je dirais 517 là, alors. Bah, il faut cliquer dessus. C'est bien. C'est bon. Alors du coup, là-dedans, t'as de quoi déverrouiller les ascenseurs. Ouais, forcément. Voilà. Des sous, il y a bientôt des sous. Juste des sous aussi. Dans des déverrouillage de l'ascenseur. Déverrouillage. Il y a deux, il y a qu'un livre ou pas? Oui, il y a le livre de déverrouillage. Ah oui, et il y a tous les sous. On est déjà à 3000. En tout cas, sur ce que j'ai. 3000, et donc, bref. Donc, l'ascenseur, c'est par où déjà? De l'extrémité. Et sur quoi? Sur le livre. Ah, ouvre le livre. C'est bon, j'ai cliqué dessus. Voilà, maintenant les ascenseurs, ouais. Du coup, aux extrémités, vous sont dévoilés. Ça ira plus vite pour monter, évidemment. Et pour descendre. Et pour descendre. Et vraiment, là, on est l'équipe qui va battre leur corps de nul. Non, mais avoir les ascenseurs à ce stade du jeu, ça peut beaucoup vous aider, ça. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Ah, des sous! Oula! 510. 510? D'où y a... ça passe à 510, y'a pas le 511? C'est peut-être pas 511 alors. Je vais m'énerver. Ça va vite me gonfler. Chef de quoi? Chef niveau 4. Alors, niveau 4. 154. 54. Ça sert de sous-sous là où je vais. Ah, skip, je suis trompé. Ah, skip. Ouais, parce que c'est bien 511, hein, la réponse. Je me suis coincé comme une abruti. Hein. Ok, merci, bah super. Bah voilà. Ça doit être la faute à Bayard. Ça va être de votre faute si on perd. Un Bayard. Mais pourquoi t'es pas monté Bah attends, je suis en train de chercher des livres. Ok. Il est marrant lui. La salle au-dessus, c'est à 30 000. Donc, à 30 000 ah, j'y vais, c'est bon, allez. Où il y a la super pioche ou qui fait FSM 65. Je me barre. Barre-toi, Pastèque. Écoute-le. Quand il donne un conseil, il faut l'écouter direct. Prends la pioche. Prends cette pioche-là. Ça tira beaucoup plus vite. Et là, derrière le jeu, il y a plein, 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 plein. Aussi, oui. Allez, casse tout. Moi, je vais tout casser en mode bro. Toute l'obsidienne, il y avait... Casse au milieu. Ah ouais, non, je te conseille un truc, casse au milieu, 1 sur 2, même 1 sur 3. Oh, le livre 5 que normalement je n'aurais pas trouvé si j'avais suivi les... Ah oui, c'est super bon. Regardez les tendances, 6, prank fail, 7, expérience sociale, là je pose le 8, j'arrive ma chaîne. Point d'interrogation, on t'attend. En fait, dès que tu tomberas sur des shulkers jaunes, c'est qu'il y aura quelque chose de... Par contre, dans des livres, il y a Bayadrin qui a été un peu... il est un peu méchant, moi. Je suis méchant. Méchant, je mange du pain. Ouais. Bon, la vérité est vraiment bon, autant des fois c'est un peu farfelu, autant des fois c'est un peu facile. Hein. Voilà. On fait trop dur cette fois-ci. Ouais, t'es gentil.
Par contre, c'est normal. Là, il est gentil, de toute façon. Ah, l'ascenseur, il marche. Mais je fais le cœur rouge, ça sert à rien de regarder dedans, il n'y a rien dedans. Bah là, il n'y a rien, que dalle. Ah, bah, attends, okay. Tu ne peux pas accéder, Loulou, tu ne peux pas. Ici, si je clique ici. Non. Mais donne. Tu descends. Bah, je vais descendre. Ah, ouais, ok, oh, c'est stylé. Et je peux pas monter. Ok, bon, j'ai pas de temps à perdre. Forcément, ici il y a la baie droite. Bah oui, ouais, c'est marrant. Hein. J'ai dit, 800 ouais, t'as trouvé une technique, mon cul. Ah putain, je suis déjà à 800. Merde! Je fais des sous. Donc moi. Là, je suis à 700. Oh, la vie, la tête. Mais oh, j'en ai marre de casser les trucs. Là, il y a le loulou, parce qu'il y a la tête. Ouais. Ah, il en faut combien? Ouais, bah, je sais pas si ça sert à grand chose de l'avoir la clé du double. Hein. Parce que... Bah, pour donner vos gains, ça peut toujours servir. Hein. Ouais, mais on n'a pas le temps. Y'a pas le temps, y'a pas le temps. Oh, je vais. Mais casse tous les autres, on t'emmerde pas pour le décor, vas-y. Continue à casser tout. Non, mais où c'est que j'arrive pas à ouvrir l'autre? Non, plus cher. Attends, elle va t'engueuler là. Oh non mais c'est horrible, ça m'énerve. Oh là là, c'est l'enfer ici. On va aller plus vite. Vous allez voir des coups. Bah c'était que les shulkers rouges, t'emmerdes pas à regarder dedans, y'a rien. Dès que t'en vois une jaune, c'est que c'est bon. Ouais. Ah d'accord. Donc les rouges, t'emmerdes pas les ouvrir. Y'a rien dedans. Et déjà, si je la dis pas déjà, genre, ça serait mieux. 616. Continue, t'emmerdes pas, continue. Là-bas, c'était 615. Non, ça, vous me dites pas que ça va de 1 en 1, c'est pas ce délire. Ça va pas de 1 en 1, c'est croissant. De gauche à droite. Enfin, de droite à gauche, du coup, pour vous. Ça sent la vrai, ça, en plus. Non mais ça. Ah j'en vois du jaune. Je vois du jaune. Encore une clé du double, super. Là regarde. Ouais des sous. Vas-y prends les sous. Oula je suis riche, c'est bon, je vous m'en vais. Bon bah rien qu'avec ça vous êtes sûr de pas avoir le chat spot. Ouais. Il y en avait deux autres hein, parce que... Ah mais bah continue à chercher. Pourquoi tu t'es renommé Katsumi, je sais pas quoi là. Parce que c'est mon prénom en japonais, ça fait et j'aime bien le japonais. Oh là là, c'est beau. Katsumi. Ce prénom là existe en japonais en fait. Non mais attends, c'est comme si je m'appelais Lumière parce que Elwan ça veut dire lumière en breton. Non, ah ça rien, c'est du breton. Voilà, bon maintenant. En plus on s'y perd vu que... Oh là là. Là, il y en a un rouge, ça c'est sûr et certain. Ça doit être super à commenter cette émission, hein. Vraiment. Ouais, j'avoue, ouais, c'est super intéressant. Ouais. C'est bon, livre 6. Yo les amis, c'est Vilain pour rien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de booster Pokémon en compagnie de Mirachi. Coucou. Ah. Et c'est voilà, et ça nous dit du 275. Et donc, faut resétendre. J'espère que c'est pas censé être des énigmes. Merci pour les sous. Elles sont nulles. Non, j'étais gentil. Il était gentil pour la dire. Mais il savait que ce serait eux surtout. Ouais, j'ai oui, bien quand sûr. Quand j'ai dépassé que je me suis dit bah un peu plus je mets que les chiffres quoi, je mets dans la même salle. Ça serait trop simple. C'est bon. On m'empêche, elle doit être chiant à faire hein, cette émission. Elle a créé, ouais. Ça va bien. Ouais. Tu m'as dit qu'elle avait 3, c'est ça? Ouais, c'est bon, t'as trouvé. Ouais, du coup, il y en a. Et là, je vais monter, allez, je vais chercher ici. Bah, ça a remonté le dernier étage. C'est ça le bloc à casser? Non, faut pas casser.
descendre. Ah, pas cassé. T'es au dernier étage, donc tu peux... Et donc, dès que je trouverai le dernier coffre... Descends, passe la queue. Le dernier... Le dernier livre, il m'aidera direct au coffre-fort. Non, il me... Ah, ok. Merde. Ah, oui, c'est 100 000. Attends, et déjà qu'on perd du temps, alors si en plus on avait que 50 000. Mais oh, mais... Quand t'arrives au 10ème livre, c'est qu'il faudra la 100 000. Ah ouais, bah non, je suis pas non plus si près que ça. Ah, en 4 minutes, ça peut se faire. Moi, j'ai les ascenseurs et vous allez beaucoup plus. Ouais, j'utilise pas trop les ascenseurs, étant donné qu'ils sont aux extrémités, c'est un peu chiant. Déverrouiller la salle des 5000 euros, je suis nulle en question. Donc là, comme tu peux le voir, Loulou, elle a trouvé le livre des 100 000. Donc ça sert à rien de vous expliquer, c'est qu'elle, elle a trouvé le dernier. Donc elle peut cliquer. Bon bah. Voilà. Bah super, clique dessus. Et du coup, c'est juste au-dessus de ta tête. Pastèque. Donc monte. Super, bah excellent, Pastèque. T'as fait du bon. Ah, mais oui, c'est vrai, il y a une. Attends, j'arrive pas à monter. Si. Ouais, voilà. Ouais, des sous, clique, du fric. Clique sur le panneau. Le cadre va monter, ouais. C'est une bonne chose. Le panneau. Oh, ça veut pas cliquer. Vas-y, clique. Oh, et quel est le plus petit numéro de la salle de lui. Attends, Loulou, clique sur rien. Oui, je redescends. Ah. Et du coup, Loulou va aller voir quelle est la première salle. C'est bien, l'esprit d'équipe, c'est cool. Dépêche-toi. Oui, bah attends, ah, on peut redescendre. Tu peux redescendre carrément. Donc, c'est quoi les. Attends, il y a. 007 comme James Bond, 009, 011, 013. Comme James Bond, 009 comme James Bond plus de 2. 00 13. C'est bon. Ah, mais t'as. Bon. Merde. Oh, les sous bon. Et là, il y a 100 000 là-dedans. Louche, ça sert à rien de monter jusqu'au truc, hein, puisque du coup, on prendra tout. Bah donc maintenant... Continue la quête à 50 000. Ouais, reste au 8ème étage. Je sais pas où t'en es exactement, mais... Bah 50 000, j'ai pas commencé, tout simplement, donc... Mais j'ai des cours de 50 000 si tu veux que je dans les étages et plus haut. Ouais, fouille dans le 8ème étage. Ouais. J'ai des sous. Pas tout, je m'en vais avec. Je dépose des trucs au passage. Par contre, okay. Ça remplit un peu les poches. T'as, dans le 894, t'as trouvé quelque chose ou pas, Pichi? Bah oui, j'en ai trouvé des sous, putain. Bah alors, ça y'a que ça dedans. Va sur la gauche, du coup, Loulou. Va sur la gauche. Toujours en gauche. Je vais regarder. Moi, je vais descendre. Ah oui, encore. On va pas regarder. Donc, tu vas. Ah, pas regarder. C'est normal que j'arrive pas à descendre. Il faut sniquer pour descendre. Ouais, ah, on a 98 secondes. Ouais, bon, ça va être très très limite. Attends. Ça marche vachement ton truc. Ah, mais t'es censé être trop pé. Ah, je suis censé être trop. Je vois pas pourquoi ça marche pas. Mais... Ah, mais voilà, si, si, c'est bon. Tu sais, j'ai des livres de 50 000, mon cher. Loulou, ça c'est 5 000, 50 000, 50 000. Tiens. Moi, je pense que c'est trop tard hein, pour les quêtes. Maintenant, chercher l'argent, c'est tout. Ouais, il y en a pas mal sur ce. Allez, on va chercher les sous. C'est bon, j'ai encore des sous. C'est déjà 100 000, elle a trouvé 30 000 aussi. Elle a déjà 130 000, ça c'est minimum déjà, donc c'est cool. J'en profite au passage. Voilà, quand le chronomètre arrivera à 0, il vous restera 60 secondes pour sortir. Ah! Par l'entrée non. Par laquelle vous êtes rentré. Faudra redescendre. Ça va, vous avez l'ascenseur, ça va hyper vite. Parce qu'autrement, on perd tout. Voilà. Vas-y, va de l'autre côté, moi je vais te sauter. Et le coffre-fort, c'est le truc du double en fait. C'est ça. Le coffre-fort, c'est la structure entière. Là, t'es dans le coffre. Tout à l'heure, t'avais parlé d'un truc tout en haut, coffre-fort. C'est sous! Sur le toit, oui, sur le toit, il y a le double. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, prends les sous. Là t'as tout pris. Ça va être comme Fort Boyard, on va sortir à la seconde près. Bien truqué. Sachant que ouais, bah vas-y, la plus puissante là. Allez, il faut descendre, casse-toi. Non, attends, t'as encore pas une minute. Moi je suis intelligent. Vous avez 60 secondes pour descendre à partir de là. Oui, bah vas-y, continue. Moi, je vais voir s'il y a pas d'autres trucs.
soit enfermé, ce serait dommage. Vite, je veux mes sous moi. Genre quand vous êtes à moins 40, si vous avez pas descendu, vous descendez vite. Oui. Je trouve rien. Parce que tu peux rester au premier étage et puis chercher les premiers. Si, encore des sous. Encore des sous, c'est bon. Je sors, en plus je live, putain, heureusement que je le sors maintenant. Oh, bah, je suis sorti. Oui, bah attends. Tu peux même regarder les quoi, à la TP. Ah non. Oui. Douche des serveurs. Ah si, c'est bon. Vite, au deuxième étage. Dépêche-toi. Attends, j'attends la dernière mais seconde. Ok, donc maintenant, le classement est à droite, on va voir à combien vous arrivez. Petite ellipse. On est de retour, c'est quasiment fini. Le traitement est quasiment fini. Et vous avez doublé l'épisode 3, qui était Ougou et Johan. Et oui, vous le doublez, c'est bon. Yes. Alors, sachant qu'on se rappelle, c'est le mythique épisode où... Ah, mais j'ai pas la clé. Enfin, j'ai pas d'échelle. J'ai plus d'échelle. J'ai plus d'échelle. Parce qu'à l'époque on avait doublé le nombre d'échelles et puis pourtant ils avaient réussi à ne pas en avoir. Quand même fantastique. C'est comme ça qu'ils ont loupé les 100 000 et les 50 000 je crois au bout. En effet. Allez, il reste que quelques lingots je pense. C'est qui coûte de la vie. C'est pas grave. Ne dis jamais c'est qui, c'est toujours Bayard. Ah, vous t'entendez ah, merde. Bah oui, hein, t'es marrant. Je suis en train de jouer à Guitar Hero. Bah, ça a fait une petite interlude musicale. Eh bah, écoutez. On en parle des droits d'auteur. Tout plus de la 150 000, ce serait bon. Oh, grave. C'est pas moi qui paye. Oh, t'as entendu, c'est pas moi qui paye. Allez, oh, c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Vous terminez à 149 800, ça fait. Si je compte. Ouais, allez, on part, on s'en va. Je vais m'acheter une Ferrari et j'arrive. Ça fait 75 000 chacun? 74 900 chacun. C'est... Voilà. Bravo. Je vous félicite, on applaudit. Ouais! Ouais, la super ambiance, oui, oui! Ouais, tu pourras en acheter du pain avec tout ça. Non, acheter une Ferrari, il a cassé après, on n'a pas parlé du type qui l'a cassé. Je serai prêt à l'avoir acheté. Bon, je remercie Alex pour sa participation et puis pour le système qu'il a fait en dessous. Je remercie Baya pour les quêtes et la construction, la fabrication des quêtes. Je me remercie merci. Moi-même parce que c'est bon à construire. Et je remercie les deux candidats. Oui, et les deux candidats sans lesquels il n'y aurait pas d'émission, car on rappelle quand même que ce sont les plus importants dans cette émission, c'est les candidats. Oh, merci, à toi. Le talent qu'on n'a pas eu Alex Mario la dernière fois. Ah bah oui, hein. Nous on est toujours meilleurs que lui. Bon, allez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve là bientôt pour un nouveau. Et salut tout le monde. Peace.